Bonjour et bienvenue à ce midi littéraire sur le thème du feu, organisé par le Centre de littérature au Canada et LitFest, le festival de non-fiction d'Edmonton. Je m'appelle Sarah Krotz et je suis directrice du CLC, qui est basé à l'Université de l'Alberta, située sur le territoire du Traité 6 et de la Nation métisse de la région 4 de l'Alberta. C'est un plaisir aujourd'hui d'accueillir Martine Delvaux pour une lecture et une discussion sur son livre « Vampire et pyromane » avec Evelyne Gagnon. Romancière et essayiste féministe, Martine Delvaux est notamment l'autrice de « Blanc d'or »,« Le monde est à toi »,« Thelma Louise et moi » et « Vampire et pyromane ». Elle a été finaliste à de nombreux prix et plusieurs de ses livres ont été traduits en anglais et en espagnol. Son essai « Le Boys Club » a remporté le Grand Prix du Livre de Montréal. « Vampire et pyromane », notre sujet aujourd'hui, est en ce moment l'objet d'une adaptation et au Théâtre Trident de Québec. En conversation avec Martine et Evelyne Gagnon. Poète et essayiste à Edmonton, Evelyne Gagnon est aussi professeure à l'Université d'Athabasca. Spécialiste de la poésie, elle s'intéresse aussi aux formes de la mélancolie contemporaine et, notamment, à ses liens avec l'éco-anxiété et avec l'éco-féminisme. Ayant publié des études sur la poésie dans plusieurs ouvrages scientifiques, Evelyne Gagnon a également reçu le prix de poésie Clément Marchand. Son recueil « Incidents et autres rumeurs du siècle » est paru en 2022. Bienvenue Martine et Evelyne. Merci, merci Sarah. On m'entend bien? Tout va bien? Oui. Alors, bonjour à toutes les personnes présentes aujourd'hui. Donc, nous avons l'honneur de recevoir Martine Delvaux, qui est une autrice prolifique et qui est aussi très engagée dans son époque. Et donc, je vais faire une brève présentation de Martine et ensuite vous expliquer le déroulement de la séance d'aujourd'hui. Donc, Martine Delvaux nous invite à méditer sur les enjeux qui nous bouleversent aujourd'hui, tant avec compassion qu'avec rigueur intellectuelle. Et dans « Pompière et pyromane », donc j'ai ma copie ici, voilà, et magnifique livre, qui est paru en 2021, Martine Delvaux nous pose la question suivante. Comment parler de la crise climatique sans sombrer dans la dystopie ou le désespoir? Et je pense que cet essai va vraiment résonner particulièrement avec le vécu des Albertains, si on pense notamment avec la saison absolument terrible des feux de forêt, terrible et interminable que l'on vient de traverser. Je vous invite aussi à découvrir son œuvre qui est foisonnante. Elle d'ailleurs vient de faire paraître un nouvel essai qui s'intitule « Ça aurait pu être un film ». Peut-être que vous aurez des questions pour elle à ce sujet à la fin de cet entretien. Je laisse cela à votre discrétion. Alors, au fil de l'essai qui nous intéresse aujourd'hui, « Pompière et pyromane », on accompagne une narratrice inquiète et éclairée. Parmi les brasiers qui s'allument au cœur de notre époque, soit les injustices sociales et écologiques, mais également les périls du réchauffement climatique, entre autres préoccupations. Mais on accède également à ce feu qui embrase l'amour, c'est-à-dire l'amour envers ses proches, envers l'humanité, envers la terre, le vivant, et aussi envers l'art qui reconstruit en nous l'espoir. Donc, Martine Delvaux nous propose, par une écriture aux échos lyriques, qui est aussi traversée de références historiques, scientifiques et littéraires, elle nous propose à s'engager ensemble pour participer à ce qu'elle nomme, et je la cite, « une politique de l'amour ». En convoquant la puissance allégorique du feu, hein, même ce qu'elle décrit telle, je la cite, « une radicalisation du fragment », cette pompière pyromane retisse du sens, et ce à même, je cite, « cette énergie férocement créatrice du désespoir ». On rencontre dans cet ouvrage fascinant une langue poétique où le jeu se met en jeu dans l'écriture, dans une oscillation entre l'intime et le collectif, entre le personnel et le social, entre le poétique et le politique. Et j'aimerais maintenant vous inviter à visiter avec nous trois espaces littéraires sous le signe du feu, en m'inspirant de l'installation de l'artiste Carolee Sheeman,
que Martine Delvaux évoque dans son essai. Donc, nous allons entrer successivement dans ces trois lieux littéraires ensemble. D'abord, nous allons visiter Feu Chambre, ensuite Feu Maison et enfin Feu Matrice. Et Martine Delvaux va lire des fragments au fil de notre parcours. Et préparez vos questions, prenez-les en note, car nous aurons une période de questions à la fin de cet entretien. Donc, nous allons entrer d'abord dans ce lieu littéraire qu'est Feu Chambre. Et nous allons aborder ici, Martine Delvaux, d'une part la présence du « je » dans votre essai, mais aussi l'importance de la tonalité intimiste, donc qui passe par votre utilisation du tutoiement. Et en utilisant le tutoiement, vous vous adressez à votre fille, à sa génération, donc celle des jeunes, et vous leur demandez, et vous nous demandez en fait, quel monde allons-nous leur laisser? C'est une question qui les concerne, mais qui nous concerne aussi. Et à travers le tutoiement, il y a un autre phénomène intéressant, c'est que vous interpellez votre lecteur ou votre lectrice. Donc, on se sent accueilli au cœur de vos réflexions et de vos questionnements. Et je vous inviterai à lire ici un premier extrait pour nous, qui va entrer en écho, en fait, avec ces perspectives-là. Merci Évelyne, merci d'avoir organisé cette rencontre. Merci Sarah, je suis toujours très heureuse de pouvoir parler à des francophones hors Québec, étant moi-même franco-ontarienne en fait au départ. Donc ça me touche toujours de quitter un peu le Québec pour aller dans le reste du Canada. Donc merci d'être là. Donc je vais lire ce premier fragment qui est au début du livre, qui donne un peu la tonalité, si on veut, de ce livre, qui est la suite d'un essai que j'avais publié avant, Le Monde est à toi, qui portait sur la transmission féministe, qui était sous forme de lettres aussi ou d'interpellations. Je m'adressais à ma fille et quelques années plus tard, alors qu'elle était à la veille d'avoir 18 ans. Mais que moi, j'étais extrêmement angoissée face au changement climatique. Je me suis dit, je reprends la plume et cette fois, je m'adresse à celle qui est en train de devenir adulte, mais aussi qui est sur le point de pouvoir voter. Et donc, ce livre vient s'installer à cette jonction entre l'adolescence et le monde des jeunes adultes et ce point culminant, si on veut, qui est le moment où on peut voter et devenir citoyen à part entière. Mais tout ça implique une réflexion sur est-ce qu'on fait ou non des enfants, et donc ce premier passage concerne un peu ça. Avant, quand tu n'étais qu'un fantasme, puis un amas de cellules, puis les battements d'ailes d'un papillon, je ne me demandais pas ce que serait ta vie, dans quel monde tu vivrais, quel avenir t'attendait. Pourtant, c'était déjà un monde en péril, un monde dont on dit aujourd'hui qu'il est trop tard pour le sauver. L'humanité, crient les scientifiques, court à sa perte. Et cette perte, il faut refuser de la penser comme une simple disparition, comme si un jour, pouf, par magie, nous allions cesser d'exister. Disparu, ni vu ni connu. La vérité, c'est qu'entre la vie et sa disparition, il y aura un douloureux processus d'extinction, un long moment rempli de souffrance, une misère humaine de plus en plus grande. Est-ce que j'aurais invité un enfant dans ce monde si j'avais été parfaitement consciente de ce qui était en train de se produire? Est-ce que j'aurais eu cet élan si j'avais su le coût que représentent les humains pour l'environnement? Est-ce que ta naissance devait nécessairement s'accompagner de mon aveuglement? Ce que je sais, c'est que tu es aux prises avec un monde que j'ai participé à fabriquer. Ce qui veut dire que j'ai participé, moi aussi, à le détruire. Ce qui veut dire que je dois participer à le sauver. Voilà le premier extrait. Merci Martine. Alors on voit ça ouvre le bal ici d'une façon assez majestueuse. Et j'aimerais converser avec vous à propos de votre processus d'écriture. Donc vous l'avez expliqué, vous avez écrit ce livre en utilisant le tutoiement, en vous adressant à votre fille, mais par extension vous vous adressez aussi à une génération, à la génération des jeunes. Et il me semble qu'on s'adresse peu à eux. On les, en tant que littéraire, souvent, on s'adresse à nos pères et tout ça. Mais là, le regard est vraiment tourné vers eux. Mm-hmm. Et je me disais, comment pouvez-vous nous expliquer pourquoi cette nécessité s'est imposée, en fait, mm-hmm. dans votre parole? J'ai une prédilection. En fait, j'aime beaucoup l'interpellation. J'aime beaucoup l'adresse à la deuxième personne. Donc, je l'ai fait dans Les Cascadeurs. Je le fais dans mon dernier livre. Ça aurait pu être un film. J'aime cette espèce de lieu qui est à la fois moi,
l'autre qui me lit et les autres par-delà la personne qui lit. Ce jeu de miroir m'intéresse beaucoup. Et bon, comme c'était la suite du Monde est à toi, je voulais m'adresser à elle et m'adresser à tous les jeunes derrière elle ou à travers elle. Donc, bien sûr, c'est un livre qui est ancré dans une pensée féministe. C'est rempli de figures de femmes, même s'il y a des citations, évidemment, qui viennent de tous les lieux. Mais à travers ces jeunes femmes, si on veut, je m'adresse à tout le monde. Et peut-être que ce qui m'a fait le plus plaisir après la parution du livre, c'est quand des jeunes de son âge m'ont écrit et ou bien l'ont lu au cégep et ou l'ont reçu en cadeau ou l'ont acheté et m'ont dit merci d'avoir parlé pour nous, merci de nous entendre. Donc c'est vrai que pour moi c'est une des grandes absences de nos débats contemporains. On n'entend pas cette génération, la génération Z, ceux qui ont 20 ans, 25 ans, qui sont en train de construire ce monde, sur qui on s'appuie. J'ai l'impression qu'on veut leur faire porter l'avenir et en même temps, on ne leur donne pas la parole, on ne les écoute pas. Et ce qui me heurte beaucoup, hormis le fait que j'ai une fille de cet âge-là, c'est toute une génération qui est aussi celle de mes étudiants. Ce qui me heurte, c'est qu'on les attaque. En fait, on les vilipende, on les décrit comme trop sensibles, trop fragiles, trop exigeants, incapables d'en prendre. Il faut tout sans cesse les protéger. Donc, tout ce discours-là qui les diminue, en fait, pour moi, est révoltant. Alors qu'il s'agit d'une génération qui est à l'affût des inégalités. C'est une génération très éveillée politiquement, contrairement à ce qu'on dit d'eux et d'elles. C'est vraiment une génération qu'on devrait écouter et qui a tout à nous apprendre. Et donc, mon Pierre Épiromane est un peu ancré dans cette indignation-là qui est la mienne. Je me mets de leur côté, en fait. Tout à fait. Et en même temps, vous parlez donc de cette idée d'interpellation et le jeu est aussi très, très présent dans votre essai. Donc, il y a beaucoup ce rapport, en fait, à vos inquiétudes personnelles qui sont aussi reliées à des inquiétudes qui touchent des questionnements sociaux et politiques. Je me suis demandé comment on faisait pour trouver cette tonalité qui est si juste, en tout cas, à mon avis, ou de mon œil de lectrice dans votre essai, pour mêler, en fait, des inquiétudes qui sont très personnelles à des questionnements qui sont sociaux. Mm-hmm. Et politique aussi actuelle. Donc, quand on écrit, comment on fait pour trouver cette tonalité, cette justesse du ton? En fait, la justesse du ton, je pense que vous pouvez la nommer. Moi, j'ai du mal toujours à la reconnaître parce que c'est moi qui l'ai écrit et que je suis toujours très, très critique de mon propre travail. Mais j'ai l'impression que tous mes récits cherchent ça. En fait, cherchent ce moment où on est sur le seuil entre « je » et l'autre, un « je » qui est singulier et un « je » qui est appelé à être un pôle d'identification pour toutes les personnes qui peuvent lire le livre. Donc ça, c'est la justesse du ton. Ça a à voir avec une musique que j'entends dans mon oreille, ça a à voir avec comment les morceaux s'imbriquent les uns avec les autres comme une sorte de jeu Lego un peu étrange, un peu compliqué. Et c'est dans cette forme-là que j'arrive à trouver ce qui me semble juste. Pour moi, en fait, c'est comme une affaire d'humilité. C'est toujours rester à sa place et à une place qui est le plus possible dépouillée d'ego. C'est-à-dire qui laisser aller tous ces oripeaux de la subjectivité qui font écran, hein, qui nous empêchent d'être en contact avec le monde ou qui empêchent les autres de s'identifier à nous. Donc, rester dans le jeu, parce que j'y crois. Je crois qu'on est situé. Les féministes nous l'ont bien appris. On a un point de vue qui est situé. Donc, j'y tiens. Mais en même temps, ça ne peut pas être le lieu d'une subjectivité trop grande pour elle-même. Il faut au contraire que ce soit le lieu d'une humilité. En fait, il me semble que ce que vous dites fait écho à ce que j'ai identifié dans votre essai comme une sorte de poétique de l'accueil, où nous sommes accueillis dans cette conversation-là et au fil de la lecture, on se sent affecté et concerné par les enjeux que vous évoquez. Et à ce titre, je vous inviterai à lire deux autres extraits pour nous qui vont vraiment faire le lien avec ce dont nous sommes en train de discuter.
J'ai l'impression que peut-être que ce que j'essayais de faire aussi, c'est un peu comme quand on ouvre les portes d'une maison. Et quand on a des enfants ou qu'on vit avec des jeunes, hein, peu importe que ce soit nos enfants ou non, mais il y a cette nécessité d'ouvrir les portes. Il y a plein de jeunes qui entrent, qui passent. Il y a des courants d'air de vie. Et c'est mon livre, il est un peu construit comme ça. C'est-à-dire que je voulais qu'on puisse entendre que ça circule et que ces voix sont multiples. Donc ces passages-là que je vais lire, ils ont peut-être plus à voir aussi avec le lien, avec la responsabilité parentale ou ce qu'on peut nous trouver en nous pour nous identifier à ce que les jeunes vivent aujourd'hui. Nous, vos parents et grands-parents, avons grandi avec le spectre de la guerre froide et la peur du nucléaire, avec des fantasmes de téléphones rouges et de super dirigeants capables de déclencher du bout de leurs doigts intransigeants ou incompétents une troisième guerre mondiale. C'était là une menace et nous avions peur que ça arrive un jour. Mais vous qui marchez dans la rue en scandant des slogans, vous qui tentez de mobiliser les troupes pour être entendus par les gouvernements, vous avancez vers la catastrophe. Elle est là, droit devant, obstacle incontournable, horizon imposé. Elle est là et elle prend toute la place. Je n'ai aucun désir de faire partie des derniers humains. Je n'ai pas l'arrogance de penser que je mérite de survivre. Mais toi, oui. La seule raison pour laquelle j'accepterais de traverser la fin du monde, peu importe ce que ça représenterait de douleur et de terreur, ce serait pour toi, avec toi. Et alors, je courrais vers le feu, tout pour te sauver. Magnifique cet extrait, hein? Donc, vous parlez, oui, et tout ça. Non, j'allais dire, avec ce qui se passe en ce moment au Moyen-Orient, enfin, ouais. Cette troisième guerre mondiale, oui, on y est peut-être d'ailleurs. Et vous parlez de cette responsabilité aussi, hein. Donc, cette idée d'inclure le lecteur ou la lectrice dans le processus de réflexion, dans les inquiétudes, mais aussi d'appeler une sorte d'engagement de notre part à tous. Et en même temps, de se tourner vers la jeune génération. Il y a cette idée, en fait, que nous avons une responsabilité à embrasser, il me semble. Oui, oui, absolument. J'ai fait une entrevue, il y a un moment où j'écrivais un texte pour ce magazine au Québec qui s'appelle La Gazette des femmes. Et j'avais interviewé un groupe de militants, militantes. Bon, c'était une majorité de jeunes femmes. La plus jeune avait 13 ans, je crois, et la plus vieille peut-être 20 ans. Et elles racontaient comment leurs parents réagissaient. Et c'est très intéressant parce qu'elle disait, bon, évidemment, il faut lutter un peu contre ce discours qui dit, non, mais attention, les études, parce qu'ils séchaient les cours. Hein, c'est le moment où c'est les Fridays for Future, donc ils séchaient les cours le vendredi et ils se faisaient un peu taper sur les doigts par les profs, oui, mais par les parents aussi. Et elle disait que les mères étaient en général plus ouvertes, mais que les pères ramenaient systématiquement le futur, l'avenir, les notes. Donc, et on avait beaucoup réfléchi à ces questions-là. Et en écrivant, donc ça, c'était avant Pompière et Pyromane. Et quand j'ai écrit Pompière et Pyromane, je pensais beaucoup à ces jeunes personnes-là qui s'engageaient, qui se mettaient, qui allaient au front. Si on veut, même s'il s'agissait que de sécher les cours un vendredi après-midi, ben il fallait quand même qu'elles se battent. Et je voulais aussi m'adresser à leurs parents et à leurs grands-parents et dire c'est pas une question qui les concerne qu'eux et elles, ça nous concerne tous. Et on est, c'est trop facile de dire que ça va reposer sur des décisions que cette génération-là va prendre. On est là, nous on a le pouvoir économique en ce moment et on a le pouvoir politique. Et donc, c'est à nous d'être à leur côté et d'essayer de les protéger du mieux qu'on peut pendant qu'on est encore là. Il faut vraiment qu'on mesure l'état d'angoisse dans lequel ces jeunes-là se trouvent. Oui, d'ailleurs, on aura l'occasion de reparler de la question de l'éco-anxiété qui est très présente aujourd'hui. Mais ce que vous dites, ça nous permet aussi maintenant de peut-être aller visiter un autre lieu littéraire qui est celui... de ce feu maison, donc le feu maison qui fait référence à l'oïkos, vous l'expliquez très très bien dans votre livre, hein. L'oïkos, c'est la maison, c'est par extension l'écologie et la planète, et vous nous rappelez à plusieurs endroits dans votre livre, mais aussi avec une grande pertinence, que non seulement l'écologie est un système dont on fait partie, mais que la crise climatique va menacer chaque strate et chaque organisme finalement. Et à ce propos, je vais vous inviter à nous lire deux fragments de votre essai. Oui. Alors, une des figures phares, et on va en parler, c'est Greta Thunberg. Donc, c'est un des fragments où il est question d'elle.
Notre maison brûle, répète Greta Thunberg. Je suis là pour vous le dire, notre maison brûle. Quand votre maison est en feu, vous ne vous asseyez pas pour discuter de la jolie rénovation que vous pourrez faire une fois le feu éteint. Si votre maison est en feu, vous sortez de la maison en courant et vous vous assurez que tout le monde est sorti pendant que vous appelez les pompiers. Elle dit « house » au lieu de « home ». Si la planète Terre est un foyer, c'est avant tout une maison. Et le feu est là, tout près. Il mange nos murs, il fait tomber nos toits. Voilà ce que Greta Thunberg ne cesse de dire. Est-ce que c'est pour cette raison qu'elle suscite tant de haine? Parce qu'elle ramène à une image privée un drame public? Parce que dans sa bouche, comme dans celle des féministes, le personnel est politique et qu'elle se permet de le répéter sans cesse, peu importe l'âge qu'elle a et peu importe sa taille ou les vêtements qu'elle porte et surtout, peu importe qui se trouve devant elle. Et maintenant, un passage sur l'anxiété, justement. L'anxiété apparaît souvent au moment d'un deuil important ou d'une peine d'amour. Comme si le corps soudainement ne savait plus vivre. Comme s'il voulait suivre la personne disparue dans la mort ou rester à jamais dans l'attente épouvantable de l'amour perdu. Tes amis et toi, vous êtes en deuil de l'avenir. Vous vous tenez debout devant un horizon non seulement incertain, flou, mais par moments carrément inexistant. Qu'allez-vous faire dans la vie? Comment allez-vous pouvoir avancer dans le monde? Pourrez-vous travailler, voyager, étudier, avoir un foyer ou des enfants? Et pire encore, allez-vous pouvoir manger à votre faim? Votre santé sera-t-elle sans cesse menacée? Devrez-vous porter des masques en permanence pour vous protéger? L'écart entre les classes sociales sera-t-il si important que ne vivront correctement sur cette planète qu'une poignée d'individus, pendant que toutes les autres devront lutter pour leur survie? Combien de réfugiés mourront pendant leur déplacement forcé, perçus comme des criminels, des envahisseurs, des fautifs, des personnes liquidables, infra-humains, dépourvus de droits? On aime s'imaginer des formes de vie étrangères à l'humanité, plus proches des animaux ou des insectes, et qui viendraient s'installer ici, alien, nés de notre manque d'imagination. Mais nous sommes nos pires ennemis. Et ça, vous l'avez déjà compris. Mon Dieu, c'est un peu triste tout ça. Hein? Non, mais ça donne à réfléchir. En fait, je pense qu'en donnant des extraits comme ça, on entre vraiment dans le cœur de votre propos et de vos réflexions. Et c'est l'expérience qu'on fait en tant que lecteur ou lectrice. Hein. On est vraiment amené avec vous dans ce tourbillon d'inquiétude, mais aussi on cherche des solutions avec vous. Mm-hmm. J'aimerais discuter avec vous d'écoféminisme, en fait, parce que c'est une des solutions que vous proposez, ou du moins c'est une avenue qui vous semble fertile pour penser ces questions-là. Mm-hmm. Donc, mm-hmm. vous convoquez toutes sortes de figures, celles de Greta Thunberg, mm-hmm. D'autres figures qui proviennent de l'histoire des femmes. On est dans une sorte de générosité, dans une sorte d'accueil, en fait, de plusieurs voix, de plusieurs mm-hmm. perspectives. Ça crée une sorte de solidarité adelphique. Hein? On est dans une perspective qui est très inclusive aussi. Mais d'abord, pourquoi la figure de Greta Thunberg vous a tant intéressée, en fait? Bien, au moment où j'écris le livre, bon, moi-même prise par une immense anxiété, mais on assiste à ces grandes manifestations. Greta Thunberg vient à Montréal. Ma fille qui est photographe la prend en photo. Elle est tout près d'elle. Enfin, il y a vraiment quelque chose. Je mesure à ce moment-là combien elle est importante, cette figure. Donc, c'est sûr que Greta Thunberg, c'est une jeune femme blanche. Il y a plein d'autres femmes, jeunes femmes du même âge ou plus jeunes, qui militent très fortement et qui sont racisées, qui sont en Afrique, aux États-Unis, en Amérique latine. Donc, il y en a énormément et j'en nomme un certain nombre dans mon livre. Ouais. Mais Greta Thunberg a été si populaire, si popularisée, qu'elle est devenue une sorte de Jeanne d'Arc d'aujourd'hui. Et je me suis intéressée à elle, pas seulement à elle comme personnage public, mais je me suis intéressée à des écrits qui ont été faits à son sujet, comment les philosophes se sont intéressés à la figure de Greta Thunberg, comment certains lui ont écrit des livres sous forme de lettres adressées à elle, autant qu'il y a des politiciens très connus qui l'ont détestée, vilipendée, bon, attaquée.
Je suis quand même heureuse aujourd'hui quand je lis les journaux et que je vois qu'elle s'est fait arrêter pour la deuxième, troisième fois lors d'une manifestation. Elle ne lâche pas. Et pour moi, cette figure-là, c'est une figure de résistance. Et c'est pour ça aussi qu'elle est si inspirante pour les jeunes qui la suivent, parce qu'elle elle n'abandonne pas la lutte. En fait, elle s'y est complètement consacrée. Et ce qui m'intéresse aussi, c'est que sa famille s'y est consacrée. C'est-à-dire que les parents ont tout abandonné pour l'accompagner dans cette lutte, puisque... comme elle le dit, Asperger, elle avait un point de focalisation, c'était ça. Et les parents ont comme cédé, ont dit ben d'accord, on va y aller avec toi. Donc c'est un peu l'image parfaite d'un engagement militant. Mais derrière Greta Thunberg, il y a des tonnes de femmes, autant des philosophes comme Susan Sontag que la figure qui est Jeanne d'Arc ou des femmes qui ont écrit sur Jeanne d'Arc. Enfin, je les démultiplie parce que ce que j'essaye de montrer, c'est une sorte de tapisserie de femmes qui se sont engagées au fil du temps. Pas forcément pour contre les réchauffements climatiques, mais qui se sont engagés tout court et souvent au nom de l'amour, parce que l'engagement climatique, c'est aimer suffisamment le monde dans lequel on vit pour se battre, pour qu'on puisse continuer à y vivre, hein, parce que la planète va continuer à faire sa vie comme planète avec ce que ça implique, mais c'est nous qui sommes expulsés de cette planète pour l'avoir suffisamment maltraitée. Et donc j'ai voulu un peu, c'est ça, créer une filiation, une sorte de sororité qui traverse le temps et l'espace pour y trouver de l'espoir. Parce qu'évidemment, on peut pas... Enfin, je me sentais pas capable d'être que dans le désespoir. Et j'entends vraiment la leçon de F. Scott Fitzgerald qui disait que l'intelligence est capable de penser deux choses contradictoires en même temps. Et que donc, il faut être à la fois pleine d'espoir tout en étant désespérée, que ce n'est pas contradictoire, mais que ça va ensemble. Donc, c'est un peu ça qui habite mon livre. Mm-hmm. Oui, tout à fait, parce que, bon, comme vous le dites, vous lisez des extraits, vous dites « Ah, c'est un peu déprimant tout ça », et en même temps, la figure de Greta Thunberg, mais toutes ces autres femmes que vous évoquez, il y a toujours cet élan vers l'espoir, vers la lutte, vers le combat, en fait, qui se dessine à travers votre ouvrage. Donc, il y a cette tension entre le désespoir et l'espoir qui est nécessaire aujourd'hui. Question, c'était sur l'écoféminisme. En fait, j'y ai pas répondu, mais les écoféministes, en fait, font ça. C'est-à-dire que ce qui m'intéresse et ce que j'apprends d'elles, c'est qu'elles font une lecture du monde qui est intersectionnelle, qui est transversale, qui est systémique. Donc, elles n'abandonnent rien quand elles lisent le monde. Donc, il s'agit pas de lire en silo, mais d'essayer de lire tout en même temps. Et donc, c'est peut-être pour ça qu'il y a autant de citations, de figures qui sont convoquées. Au fond, je n'ai pas écrit un livre sur l'écoféminisme. J'ai essayé de prendre la pratique écoféministe pour en faire un livre. Oui, exactement, exactement. Et puis, écoféminisme et éco-anxiété, hein, il y a aussi... on est encore dans cette tension entre inquiétude et force de combat, d'une certaine façon. Et en vous lisant, je me demandais, et puis bon, en regardant le monde aujourd'hui, vous l'avez évoqué, hein, cette accumulation des désastres dans lesquels nous sommes en train de basculer d'une certaine façon, on se sent un peu dans une sorte de déclin qui semble inévitable. Et je me demandais, est-ce que vous pensez que l'éco-anxiété telle qu'on la vit aujourd'hui est en train de créer une sorte de basculement anthropologique, ou cette idée qu'on est dans une sorte de moment où les choses sont irréparables. Hein? Hélène Dorion, la poète, écrit « Nous venons d'un monde irréparable ». Est-ce que vous pouvez nous parler de ce sentiment de basculement, mais qui est lié aussi à un sentiment d'urgence que l'on capte dans votre écriture? Donc, il y a encore une fois cette tension qui s'installe, qui est très dynamique. En fait, ça parle de mon propre combat intérieur, hein, parce que je pense que si on me demande très clairement, ben, qu'en pensez-vous? Est-ce qu'on va éviter cette fin du monde là? Ben moi, avec ce que je suis une non-experte. Hein, j'ai aussi écrit ce livre-là comme une non-experte. Je suis pas une scientifique. Je suis comme tout le monde. J'ai du mal à me faire une tête. Il y a tellement d'informations. Je sais pas comment faire le tri dans cette information. Je lis les rapports des COP 27, 26, 28, bon, la prochaine qui s'en vient. Et je suis,
bouche bée devant l'épreuve. Donc, je me dis, non, on peut pas y échapper. On ne pourra pas faire marche arrière. Mais, on ne sait pas de quoi on est capable. On est capable d'imagination. On est capable de découvrir des moyens de faire avec ce drame, cet immense drame. Et tout ce qu'on aura causé de mal, peut-être qu'on peut pas l'empêcher de continuer à avancer, mais on peut créer à côté des choses et on sait pas ce qu'on est capable de créer. Et il y a plein de philosophes qui s'intéressent à ça, qui disent, oui, on peut être découragé, mais si on se laisse happer par le désespoir, on va perdre la force de créer. Alors que si on est prêt à courir le risque d'inventer, peut-être qu'on va arriver à créer des modes de vie, des façons de fonctionner, de faire avec ce monde le plus longtemps possible. Donc, mon livre, il est là-dedans. Il est sur la crête, en fait, tout le temps, entre l'espoir et le désespoir, pour dire, il faut comme être suffisamment désespéré pour vouloir agir, mais pas trop désespéré pour ne pas tomber dans une sorte de d'impuissance et d'immobilisme total. En fait, voilà une magnifique transition vers notre dernier lieu littéraire que nous allons visiter, donc le feu matrice. Parce que ça me semble, en fait, cette idée de feu matrice semble évoquer avec une grande justesse les liens que vous tissez entre l'action politique et l'acte littéraire. Donc, cette capacité d'imaginer, hein, il faut retrouver cette capacité d'imaginer d'autres mondes possibles. Et donc, on est face à tous ces désastres hein, qui sont imminents, mais en même temps, vous évoquez souvent dans votre livre, en contrepoint, la puissance de la mise en récit et de l'acte littéraire. On dirait que votre ouvrage cherchait à nous insuffler une force de combat, finalement. Ouais. Marielle Massé dirait la littérature crée d'autres formes pour nos vies. Oui, tout à fait. Donc, par le lyrisme, ou en tout cas la voix poétique qui fait du lien, même dans un monde qui est brisé. En fait. Absolument, ouais. Et je pense que la forme de mon livre, elle a à voir avec ça, puisque ce sont des fragments qui sont comme des petits tableaux. Donc, chaque fragment, et en même temps, tout est lié par une série d'échos, et puis bon, une cohérence, j'espère, en tout cas, de la pensée à travers ce livre. Mais ce qu'il y a en filigrane, je le mentionne à trois reprises, je crois, c'est que je dis, si j'avais envie d'écrire un roman, en fait, j'aurais voulu prendre The Road de Cormac McCarthy et le réécrire du point de vue de deux femmes, donc d'une mère et sa fille. Et j'ai essayé, mais je ne suis pas une écrivaine de romans. Enfin, je n'écris pas comme ça, je n'y arrive pas. Et donc, ce qui est comme crypté dans Pompière et Pyromane, c'est ce roman qui n'a pas été écrit, mais où il y a des scènes que j'essaye de trouver. Et en écrivant, et après avoir écrit Pompière et Pyromane, en lisant d'autres philosophes qui réfléchissent au pouvoir justement de l'imagination, au pouvoir de la fiction, il y a quelqu'un comme Amitav Ghosh qui va dire, mais peut-être qu'aujourd'hui, il faut moins chercher à faire du récit qu'à trouver des images. Et peut-être que c'est ce que mon livre fait, mais je l'ai pas fait délibérément, c'est-à-dire que ça s'est fait un peu comme ça tout seul. Mais ça dit quelque chose du lien, de l'absence de lien, du besoin de voir les trucs rapidement pour pouvoir y réfléchir, pour pouvoir les penser, sans pour autant que tout soit lié par une narration classique qui nous amène du point A au point Z. Donc, j'essayais d'éviter un peu cette manière de faire, mais ça s'est fait spontanément. Voilà. Mm-hmm. Et d'ailleurs, vous avez deux fragments à nous lire qui vont entrer en résonance, en fait, avec ce rapport j'espère. À la littérature dont vous venez de parler. Oui. Alors, tant que des humaines resteront sur la Terre, nous dit Robert Bringhurst, des histoires se raconteront, des histoires arborescentes, iridescentes, comme le sont toujours les histoires qu'on raconte. Et elles porteront des mises en garde contre l'erreur de trop consommer, de vouloir aller trop haut ou trop loin, de ne rien laisser aux autres. En attendant, si on veut regarder en face la fin du monde, si on veut essayer de gagner un peu de temps et obtenir plus de savoir et plus de pouvoir, plus de sens et plus de contrôle, plus de vérité, de chants d'oiseaux, de silence et moins de jacasserie, le savoir et les faits doivent prendre la forme de poèmes. Ce qui veut dire qu'il faut penser tout à la fois, penser l'écosystème, avoir en tête une seule planète, imaginer le monde entier. Je veux nous imaginer, jeunes filles et vieilles femmes, comme des revenantes futuristes, debout et droites devant l'avenir. Je veux nous voir mélancoliques, anxieuses, furieuses, amoureuses, rabat-joie,
désobéissantes et féministes, liées les unes aux autres et avançant d'un même pas avec l'énergie férocement créatrice du désespoir. Je veux nous penser, toi et moi, comme faisant partie d'une communauté dansantes de lucioles qui se disent oui en clignotant dans la nuit, parce qu'il faut continuer à résister, parce qu'il faut, à tout prix, continuer à aimer. Merci, Martine Delvaux. Comme merci c'est beau. À vous. C'est vous qui c'est écrivez beau. Les poèmes ici, c'est pas moi. ah non, mais j'ai parlé de lyrisme, alors... Mm. Donc, ce rapport à la littérature, il est très important, hein, à l'imagination, à la mise en récit, tout ça. Vous venez de l'évoquer aussi dans les deux extraits que l'on vient de lire. Et bon, en tant que poéticienne, évidemment, les mots, ça me préoccupe beaucoup. Et j'ai retrouvé à la page 34 une série assez percutante de vers d'action. Hein. On avait manifesté, emmerdé tout le monde, s'indigner, s'envenimer, s'enflammer. Et la question qui me venait, c'était, est-ce qu'écrire, selon vous, ce serait un lieu de convergence de tout cela? Manifester, emmerder tout le monde, s'indigner, s'enflammer. Mm-hmm. Ben, c'est un lieu de convergence, c'est tout le potentiel de l'écriture, en fait. Et il faut comprendre quand même, c'est tout ce que je sais faire. Je peux aller enseigner, je peux donner des cours et je peux écrire, mais j'ai pas d'autres compétences et c'est pas si simple de se dire, ben voilà, moi, devant cette crise climatique, quelles sont mes compétences? Elles sont nulles. En fait, je n'ai rien, je ne sais rien qui peut aider concrètement à empêcher ce qui est en train de se produire. Sinon, écrire. Et donc, mettre les mots au service de cette pensée ou de cette exploration de l'imagination. M'adresser aux jeunes, c'était une manière aussi de faire le relais, comme un bâton qu'on donne durant une course à relais. C'est-à-dire, mais prenez le bâton, et puis, en fait, je le lâcherai pas, le bâton, je le tiens avec vous. On peut y penser ensemble. Et oui, je pense que la littérature ou les mots peuvent tout contenir. Dieu merci. Ça ne va pas disparaître. C'est un peu comme quand, je sais plus quel philosophe le dit, mais il dit, tout va disparaître sauf la beauté. Et je me disais, c'est quand même fascinant de se dire, la beauté va rester, même s'il n'y a personne pour en témoigner. Mais peut-être que les mots restent aussi, quelque part. Mm-hmm. On peut l'espérer, en fait. Mm. Vous voyez, on s'en va vers l'espoir, là. Ah ben, il faut, là. Je pense on qu'on n'a pas le choix. On remonte vers l'espoir, tout ensemble. D'ailleurs, j'ai cette question, en fait, qui me vient, qui est, est-ce qu'on pourrait dire que la littérature nous aide à marcher avec vous sur les braises de notre époque? Ben, j'espère. En fait, je pense que c'est, moi, je peux pas dire que mon livre aide, hein, mais je peux dire que moi, lire m'accompagne. C'est-à-dire qu'il y a des livres qui m'accompagnent, autant les poèmes de Margaret Atwood quand elle donne la voix à des sorcières qui ont été assassinées au Moyen-Âge, que des jeunes poétesses contemporaines, Evelyne et d'autres qui écrivent et qui portent cette fureur aussi, qui est une fureur créatrice, là, justement, qui veut essayer de faire le tri dans le monde, de voir le monde et puis de voir qu'est-ce qu'on peut en sauver. Donc oui, je crois que la littérature, elle nous accompagne. Elle est importante. Hein. On dit toujours que les bibliothèques vont brûler et je pense bien que les bibliothèques un jour vont brûler, que les livres vont se perdre, mais la littérature, elle ne se perdra pas. La capacité de raconter, la capacité d'imaginer, elle ne disparaîtra pas tant qu'on sera là. Tant que le vivant sera là. Oui, c'est ça, tant que le vivant sera là. Oui. Ouais, parce que les oiseaux aussi inventent, et les chats, et les chiens. Et, ouais. Mm-hmm. Mm. Oui, tout à fait, tout à fait. Mais en fait, je pense que c'est tellement une belle façon de conclure cet entretien sur cette note qui ici nous appelle à l'imagination, à l'amour, au lien, et aussi qui nous engage à la littérature, dans la littérature. C'est ce que votre ouvrage fait. Hein. C'est cette traversée nous amène aussi à redécouvrir ce besoin que nous avons de créer du lien et de se réimaginer autrement, en fait, même dans un monde en ruine. Oui, oui, tout à fait. Oui. Donc, pour ce livre, en fait, je voudrais vous remercier très chaleureusement.
chaleureusement au terme, en termes de feu. Hein? Oui, c'est ça, avec le feu. De ouais. feu que vous nous avez transmis au cours de cette conversation. Et j'aimerais inviter le public présent, les personnes qui ont assisté à cette magnifique lecture conversation, à poser des questions à Martine Delvaux, donc en vous manifestant, en levant la main, parce que maintenant, c'est à votre tour d'entrer dans la conversation, puisque nous sommes ici dans un lieu d'accueil et de générosité, comme le fait très bien l'écriture de Martine Delvaux. Alors, est-ce que vous avez des questions pour Martine Delvaux? Est-ce que quelqu'un aurait une question que vous avez notée? Oui, puis on a une question. Alors, Élise Gay. Alors, bonjour à vous deux. Est-ce que vous m'entendez bien? Oui. Oui, c'est un plaisir de vous retrouver, Evelyne et Martine, d'entendre vos voix et de vous écouter cet après-midi. D'ailleurs, Martine, j'ai pas eu la chance, en fait, de lire ton dernier essai. Ce sera un plaisir, certainement, puisque j'avais été littéralement happée par pompière pyromane. J'étais dans une journée au spa avec des collègues, puis finalement, ça s'était transformé en quelque chose de très étrange que d'être proche du feu en même temps que de l'eau. Bref. Moi, je suis intéressée. Je suis aussi une jeune maman. Donc, pour moi, pour Pierre Pyromane, ça avait été une lecture vraiment fascinante, autant dans la filiation, ce que tu mentionnais tantôt, Martine, dans les espèces de jeux dans lesquels on peut nous aussi prendre place hein, et tout ça. Mais je voudrais revenir sur l'adresse. Ça m'a captivé ton rapport à l'adresse, en fait, parce que pour moi, ça ramène tout ce qui est de l'épistolaire. Mm-hmm. Puis je me demandais si, dans ta pratique, comment tu conçois l'adresse, l'épistolaire. Et après, c'est une question plus de curiosité. Je sais que ta fille voyage beaucoup, toi aussi, tout ça. Est-ce que vous entretenez une correspondance? Est-ce que c'est quelque chose, un jour, qu'on pourrait vous lire ou vous entendre vos voix si singulières, hein, parce que ta fille aussi a une pratique artistique et littéraire. Donc, bref, c'est ça. C'est plus une curiosité puis un rapport à l'adresse. Là, ma question. Ouais. Ben comme je disais, l'adresse c'est vraiment quelque chose qui traverse mon travail même sans que je m'en rende compte. C'est-à-dire qu'il y a même des moments où quand j'ai écrit ça aurait pu être un film, je me suis dit non mais pas encore, tu vas pas encore prendre la deuxième. Là, c'est pas vrai, mais j'y peux rien. C'est comme il y a une proximité, il y a une distance très différente quand on écrit à la deuxième personne. Et j'aime cette forme qui est une fausse lettre. Donc ça évoque l'épistolaire même si ce n'est pas une lettre à proprement parler. Et donc c'est quelque chose que je fais souvent. Et pour moi la deuxième personne c'est le lieu de l'amour. Donc c'est le je t'aime mais qui est explosé à la taille d'un livre au complet. Donc je pense que ça va continuer à surgir dans mon travail. En ce qui concerne l'écriture de vraies lettres, c'est pas une pratique que j'ai. Et Ellie, donc ma fille, n'écrit pas. En fait, elle écrit des scénarios, elle fait de la photo, elle est au cinéma, elle fait bon tout ça, mais elle est pas dans l'écriture. Mais on nous a demandé d'écrire un livre ensemble, donc qui sait? Peut-être que ce sera sous forme de lettres, à voir. Mais en ce moment, j'entretiens une correspondance avec une autrice française que vous connaissez peut-être, qui s'appelle Pauline Armange. Donc, elle a écrit « Moi, les hommes, je les déteste ». Donc, elle est beaucoup plus jeune que moi. Et on a commencé à s'écrire au moment où elle était sur le point de donner naissance à son enfant. Et voilà, ça fait un an que ça dure. On va voir si ça va donner lieu à un livre, mais c'est en train de s'écrire. Excellent. Merci beaucoup de ta réponse. Merci, Élise, pour cette question. Une autre question? Levez la main, manifestez-vous. Enflammez-vous. Tout est possible. Tout est possible. Sarah, vous me dites si vous voyez quelqu'un se manifester. Je vais poser une question. Pouvez-vous nous parler un peu de l'adaptation pour théâtre et le travail, le concept de ça, ouais. Parce que c'est très intéressant ça aussi. Ouais, c'est curieux aussi parce que pompière et pyromane, c'est pas du tout, c'est pas un récit, c'est vraiment une série de réflexions, bon, plutôt essayistiques. Le Trident m'a approché et voulait en fait me mettre entre les mains une adaptation théâtrale. Et l'idée d'origine, c'était qu'il y a une comédienne qui, bon, soit sur scène et bon, tout ça. Et d'emblée, j'ai dit, mais moi, c'est pas mon lieu, le théâtre. Je sais pas comment j'opérais ça. J'aimerais mieux qu'on donne le projet à une troupe qui existe déjà.
Et donc, ça a été mis entre les mains du bureau de l'APA, qui est tenu par deux femmes d'abord, et puis ensuite, elles s'adjoignent d'autres personnes. Mais ce sont des femmes qui font du théâtre militant, qui est très, très proche de la performance. Et toutes les personnes qui jouent sur scène ne sont pas des acteurs professionnels ou des actrices professionnelles. Donc, c'est du monde normal, du monde ordinaire, qui sont convoqués sur scène. Ce que j'ai vu, c'est un peu le décor. Il y a des gestes. Mon livre est là, comme empilé partout. Ils attrapent le livre et lisent à même le livre. Donc, on a littéralement mis le livre sur la scène, ce qui est pas inintéressant. L'organisation de la pièce suit les consignes en cas d'incendie. Donc, comment faire s'il y a un incendie, où aller, quoi ne pas faire, bon, tout ça. Donc, je crois que la pièce est organisée comme ça. Et à travers ces consignes, ben, les fragments ont été placés et des gestes ont été donnés aux acteurs et aux actrices. Donc, par exemple, ce que ma fille m'a raconté, c'est qu'ils font rôtir beaucoup de toast. Il y a beaucoup de toast qui se font et on les fait brûler et ensuite on fabrique une maison avec les rôtis. Donc il y a plein de choses comme ça qui se font que j'ai pas vu parce que j'ai pas encore assisté à une répétition, mais on est dans du théâtre performance et c'est vraiment un théâtre qui est militant. Et ça pour moi c'est comme un cadeau tombé du ciel là. Il y a des matinées étudiantes, il y a des groupes de jeunes qui vont y aller et ça en même temps les abonnés sont des personnes qui sont souvent plus âgés, donc ça va donner à Pompière et Pyromane un public qui est celui que je veux, en fait, à la fois les jeunes, leurs parents, les grands-parents. Donc, c'est une salle de passage à Québec. C'est oui, tout le mois de novembre, début décembre. Oui, oh, puis c'est qu'il y aura une captation. Peut-être que ça va circuler, je sais pas. Pour les gens qui ne peuvent pas aller à Québec. Exact, hein? Oui, ça serait d'autres bien. D'autres gens en dehors du oui. Québec, d'autres personnes. Oui. Est-ce que nous avons une autre question? Moi, j'en profiterais peut-être pour faire un lien. En fait, on a reparlé des fragments qui sont sur la scène théâtrale. Puis on a parlé tantôt de cette idée du fragment. Il me semblait, en vous lisant, là, qu'il y avait une sorte de poétique du lien. Qui s'établissait à même la radicalisation du fragment dont vous avez parlé. Puis dans les extraits que vous avez lus, hein, ce sont des fragments complets, donc ce sont de petits paragraphes. Et j'aimerais que vous nous parliez un peu de cette forme qui vous a intéressé, peut-être, si vous pouvez replonger un peu dans cette idée-là. Comment ça nous parle de notre monde, hein, qui est morcelé de plus en plus, mais en même temps, notre désir de faire du lien. Oui, tout à fait. Mais le fragment, c'est la forme que moi, je privilégie depuis tout le temps. Là. Et selon les livres que j'écris, les fragments sont de différentes teneurs. Il y en a qui sont beaucoup plus courts, plus sur le mode de l'instantané, du Polaroid, d'autres qui sont beaucoup plus longs. Et les liens se font plus narrativement, d'une manière un peu plus classique. Dans le cas de Pompière et Pyromane, j'ai dit dans une entrevue que je l'avais radicalisé, le fragment, sans tout à fait m'en rendre compte, mais c'est vraiment parce que c'est un peu comme si on se promène dans une galerie d'art, c'est-à-dire qu'on se promène de tableau en tableau, et c'est en se promenant, donc par cette déambulation, qu'on crée du lien. Donc, c'est un livre qu'on peut lire de page en page, je veux dire, en suivant le fil bon, tel qu'il est présenté, mais on peut aussi se promener dans le livre. On peut aussi l'ouvrir, et chaque fragment est autonome. Il peut être sorti du lot et il existe tout seul. C'est ça qui était important pour moi. Peut-être parce que ça évoque aussi le slogan, ça évoque le manifeste, le discours. Enfin, c'est quelque chose de ponctuel qui peut retenir l'attention et qui a la force de mobiliser les gens, même tout seul. Donc, je l'ai écrit comme ça. Donc, c'est sûr que là, je peux en parler une fois que c'est terminé et que c'est très loin derrière moi. Mais j'ai travaillé donc en accumulant les fragments, puis après il y a un moment où les fragments commencent à se déplacer jusqu'à ce que je trouve la juste place. Donc comment ça s'organise. Et il y a quelque chose de musical aussi là-dedans. C'est pas que de l'image, c'est qu'il y a du son. Et je travaille beaucoup les échos, tout ce qui se promène d'un fragment à l'autre. Donc le lyrisme. Et là il y a une forme de travail poétique. Et s'il y a du lien, et pour moi ce lien-là, c'est l'amour, mais l'amour au sens philosophique là. Et l'amour est là, c'est que c'est ce qui nous permet de traverser en fait cet ouvrage comme on traverse la vie et le monde dans lequel on est. Donc après, c'est sûr qu'on vit dans un monde dont on peut dire qu'il est fragmenté, fracturé, par la technologie, par tout ce qui nous assomme, autant que ça nous porte. Là. C'est tout autant inspirant qu'inquiétant. Mais je peux pas dire que j'ai écrit le livre à cette image, mais peut-être que mon livre ou ma manière d'écrire, elle est tributaire de ce monde dans lequel on vit. Ouais.
Oui, nous sommes traversés hein, par ce morcellement du monde. Oui, puis ça nous échappe. Ouais. Ça nous échappe. Mais la littérature, d'une certaine façon, fait tenir, en fait, tout ça ensemble. Vous avez parlé de cette idée de faire tenir les contradictions aussi. Donc, il y a une énergie qui se dégage, l'énergie du désespoir dont vous parlez dans votre livre. Et qui anime aussi cette parole-là que vous déployez. Ouais. Et que vous avez travaillé de façon similaire avec le nouveau... je vois personne qui lève la main, donc... on peut parler comme ça toute la journée. Est-ce que vous avez travaillé comme ça avec le nouveau livre? Et est-ce que vous pouvez peut-être nous parler un peu de ce nouvel essai? Oui. Chaud, sorti du four, quelques semaines à peine. Oui. Ben oui, donc ça aurait pu être un film. Je l'ai aussi écrit, le fragment est peut-être un peu moins radical que dans Pompière et Pyromane, mais il est plus proche du fragment de Pompière et Pyromane que d'un récit continu, si on veut. Et dans ce livre-là, il est né d'un projet de film, de deux projets de film, et donc un en particulier qui est tombé à l'eau, qui a échoué. On m'avait demandé d'écrire un scénario sur la relation amoureuse entre Jean-Paul Riopelle et John Mitchell, donc sa compagne qui était une grande peintre elle aussi. Et au moment où on m'a proposé le projet, ça ne m'intéressait pas vraiment, j'avoue, là, d'écrire cette histoire-là. Mais il y avait une troisième personne, on m'a parlé d'une troisième personne, et c'est en enquêtant sur cette troisième personne que je me suis intéressée à leur histoire. Et donc le livre raconte cette histoire-là, mais surtout raconte comment j'ai essayé d'écrire un film et comment ça n'a pas fonctionné. Et ce film échoué se retrouve en filigrane, un peu comme le roman non écrit dans Pompière et Pyromane. Dans Ça aurait pu être un film, il y a des synopsis de films, il y a des plans de coupe, il y a un morceau de scénario, il y a si c'était mis à la caméra, voici ce qu'on devrait voir. Donc il y a comme un film en filigrane dans Ça aurait pu être un film, et où je raconte justement la place qu'a occupé Hollis Jeffcoat, qui était donc une jeune peintre qui est devenue très proche de Mitchell et qui a fini par partir avec Riopelle, avec qui elle a été pendant 8 ans. Donc, je parle de ce trio. Et puis, ce qui m'intéresse surtout, c'est que Hollis Jeffcoat, personne en a jamais entendu parler. Elle est vraiment reléguée aux notes en bas de page dans les catalogues, dans les descriptions qu'on fait de la vie de John Mitchell ou Jean-Paul Riopelle. Donc, parfois, elle surgit un peu plus dans des biographies. Mais ça reste quelqu'un qui est un personnage secondaire. Et moi, j'avais envie de prendre le personnage secondaire et de lui donner le centre, de la rendre héroïne de ce livre-là pour reléguer ensuite les deux monstres plus en marge et essayer de penser à qu'est-ce que c'est un héros, pourquoi est-ce qu'on choisit certains héros, pourquoi est-ce qu'on érige des statues pour certaines personnes, et ce faisant, ben qui est-ce qu'on efface, qui est-ce qu'on oublie à côté. Donc, la grande question, c'est celle des femmes dans l'histoire de l'art ou dans le monde de l'art, mais de manière plus générale, ben les femmes qui sont des personnages secondaires dans la vie, quoi, de tous les jours. D'ailleurs, vous faites référence beaucoup hein, à l'histoire des femmes dans Pompière et Pyromane. Ouais. On passe des suffragettes à la sorcellerie, à des artistes très contemporaines. Donc, cette idée de réinscrire l'histoire des femmes, ça devient une sorte de moteur de, de combat, finalement, qui nous préoccupe ici. Ben, c'est comme, je pense qu'on a tendance, moi, je suis pas du tout historienne, c'est vraiment quelque chose qui ne me plaît pas, là. J'ai vraiment pas de mémoire pour les dates, tout ça, ça ne m'intéresse pas. Mais ce qui m'intéresse, c'est qu'est-ce qu'on porte? Donc, qu'est-ce qu'on porte comme héritage? En fait, quel est le legs de cette histoire des femmes qu'on traîne encore aujourd'hui? Donc, il y a un moment où on m'a raconté que si, par exemple, en Amérique du Nord, en Europe, les femmes ont tendance à être plus menues que les hommes. Bon, c'est en train de changer. On le voit, ça change tranquillement, mais pendant longtemps, c'était le cas. Et on me disait, mais si depuis le début des temps, les femmes ont eu la part moins belle du repas, si on leur a toujours donné la part moins grande de viande, par exemple, parce qu'on sert tout le temps les hommes en premier, si on a toujours moins mangé, ben nos corps sont à l'image de cette privation. Et donc là, ça ajoute tous les troubles alimentaires, l'image des femmes, tout ça. Donc, ce qui m'intéresse, en fait, c'est qu'est-ce qu'on porte? Qu'est-ce qu'on porte de cette histoire qu'on appelle la chasse aux sorcières? Mais la chasse aux sorcières, c'est pas l'Halloween, là. C'est des femmes qui se battaient pour le commun. C'est des femmes qui imaginaient le monde ensemble, qui étaient...
qui résistait au capitalisme, qui résistait à ce patriarcat qui était en train de s'installer et qui a donné lieu au colonialisme, à l'esclavagisme. Donc, ces femmes-là résistaient, c'est elles qu'on a mises sur le bûcher. C'est énorme d'y penser. Et on parle pas de 5 ou 10 femmes, on parle de 100 000 femmes, mm-hmm. de plusieurs centaines de milliers de femmes qui ont été torturées et mises sur le bûcher. Donc, moi, ce qui m'intéresse, c'est, ben, nous, qu'est-ce qu'on porte de cette histoire-là qu'on ne connaît pas nécessairement, mais qui nous revient par la bande, par Disney, par les costumes, mais elle est là, cette histoire-là. Donc, aller la chercher, la faire renaître pour qu'on puisse au moins en être consciente. Mm-hmm. Oui, vous parlez de résistance aussi. Hein? C'est intéressant que Pompière puis Romane se construit sur l'échec d'un roman qui n'a pas abouti et votre dernier essai sur l'échec d'un ouais. scénario de film qui n'a pas abouti, oui. comme si finalement... vous construisez sur l'échec ou malgré oui. ou autour oui. pour créer oui. Autre Absolument. Chose. Oui, oui, autre oui, mais chose. J'aime beaucoup l'échec. En fait, je ne sais pas si vous connaissez le livre de Jack Alberstam, The Queer Art of Failure. Et c'est un livre qui m'a beaucoup, c'est génial, c'est vraiment génial. Et on dirait qu'en lisant cet essai-là, j'ai eu une sorte de flash. Je me suis dit, mais oui, cette idée de l'échec, pourquoi est-ce qu'on conçoit l'échec tout le temps comme un échec? Alors que l'échec construit, et peut-être que c'est ça le réchauffement climatique aussi, le grand échec de l'humanité, c'est d'avoir pourri cette planète, vraiment de l'avoir défaite, mais de cet échec, qu'est-ce qui peut naître? Qu'est-ce qu'on peut arriver à construire? Pour moi, c'est la une question importante. Ouais. Et c'est ça, le recyclage, le compost, c'est des images de ça. C'est la fin, mais de la fin, on va créer quelque chose. On va créer quelque chose de nouveau. Ben, espérons-le, Martine. Ah ouais, je pense qu'on n'a pas le choix, là. Il faut qu'on espère. Merci beaucoup pour cette parole éclairante, cette vision de Luciole que vous avez, partagée avec nous, malgré les ténèbres de notre monde actuel. Ouais, je pense que ça a été vraiment un lieu pour enflammer nos passions et réveiller aussi notre désir de continuer. Ouais. Ben, merci à vous d'avoir préparé ça. Je sais que c'est toujours du travail qui s'ajoute à nos charges déjà très lourdes. Donc, merci infiniment. Je pense que et merci à tout le monde d'avoir été là. Oui, je pense que Sarah voulait aussi dire quelques mots. Oui, Sarah. Je veux seulement ajouter merci en particulier à Martine Delvaux et Evelyne Gagnon, et merci à tous pour nous rejoindre ici. Et c'était un véritable honneur de vous écouter tous les deux aujourd'hui. C'était inspirant. Merci. Merci à vous. Bonne fin de journée. Oui, bonne journée à tous.